le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser la batterie qui se situe à droite du compartiment moteur. Fais pression simultanément sur les deux languettes qui fixent le couvercle du support batterie afin de le retirer. À l'aide d'un cliquet, d'une grande rallonge et d'une douille de 13, dévisse la plaque de maintien de la batterie. Puis extrais-la. Ne commence jamais par débrancher la borne plus, toute la voiture étant raccordée au moins. Cela risque de créer des étincelles dangereuses pour le réseau électrique de ta voiture. À l'aide d'un petit cliquet et d'une douille de 10, commence donc par retirer la cosse négative de la batterie. Une fois retirée, écarte la cosse afin d'éviter une reconnexion intempestive de la batterie qui pourrait endommager le circuit électrique du véhicule. Toujours à l'aide d'un petit cliquet et d'une douille de 10, dévisse la platine de maintien des câbles de la borne positive. Puis extrait ces derniers. Termine par dévisser la borne positive, toujours au cliquet. Puis retire-la. Tu peux maintenant retirer la batterie. Ponce avec du papier de verre l'intérieur des cosses pour enlever la couche d'oxydation blanche et éviter à terme des pannes insidieuses. Munis-toi de la nouvelle batterie. Retire les cages de protection. Enduis les cosses de graisse cuivrée pour améliorer le contact entre les bornes et les cosses, mais aussi limiter l'apparition d'oxydation. Mets en place la nouvelle batterie en la plaquant bien contre son support. Commence par revisser la cosse positive avec le petit cliquet et la douille de 10. Repose les câbles. Puis revisse la platine de maintien. Termine en revissant la cosse négative. La remise en place de la plaque de maintien de la batterie s'avère délicate sans l'astuce. Alors ouvre les yeux. Prends un morceau d'essuie-tout que tu plies en quatre. Pose-le à plat sur la douille, puis insère en insistant la tête du boulon dans la douille. Magie ! Ça tient tout seul. En utilisant uniquement la rallonge, cela te permet maintenant d'aller revisser la plaque de maintien. Rentre-la délicatement en poussant légèrement la batterie afin de la remettre en position. Comme d'habitude, commence à la main et au moment de finaliser le serrage, insère le cliquet dans la rallonge. Bloque. Puis retire l'essuie-tout. Repose le couvercle de support de batterie en l'inclinant pour insérer les ergots, puis clipse-le en le rabattant. Opération terminée!